toi non. Qu'est-ce qui se passe quand on l'a fait? Je sais pas ce qui se passe. Voici venu notre prochain candidat, Monsieur Biloul. À peine âgé de 19 ans, ce jeune prodige a déjà enregistré dans tous les plus grands studios et a montré son don sur toutes les plus grandes scènes de la planète. Talentueux de par sa voix et son doigté, il n'a jamais rencontré un public qu'il n'a pas su conquérir. D'un naturel charmeur, Monsieur Biloul est toujours bien habillé et ne va nulle part sans sa casquette fétiche. Arrivera-t-il à faire chavirer vos cœurs? Magnifique parcours que voilà, Monsieur Biloul, comment vous le sentez? Je le sens vraiment bien. Vous êtes donc confiant pour cette épreuve? Ah oui, vraiment, vraiment. Comment pensez-vous que le jury va réagir? De toute façon, moi je sais que j'ai l'incroyable talent dans ma voix cette année. Je crois avoir aperçu votre petite sœur dans le public, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ma première groupie. Et elle est toute seule? Non, oui. Oui, elle est toute seule. Un dernier mot à dire à votre famille, qui n'est pas là? Friperie. Ça là, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Monsieur Biloul, j'ai 19 ans. Et aujourd'hui, je vous interpréterai un petit morceau avec ma voix en or. Allez-y, c'est quand vous voulez. C'est tout? Mais comment avez-vous développé ce talent si magnifique? Comment j'ai développé ce talent? En fait, j'avais 3 ans et mon papa m'a fait écouter du black metal. Et ça m'est arrivé comme ça, du jour au lendemain. J'ai réussi à sortir ce bruit magique. Est-ce que vous pensez pouvoir vivre de ce talent si particulier? Effectivement, je pense pouvoir vivre de ce talent. Je me suis inscrit au Salon de l'agriculture en 2016 et je vais y participer en tant qu'animateur. Pour moi, tout de suite, c'est un non. Quoi? Mais non, mais c'est génial ce qu'il fait. Non, mais pour moi, c'est non aussi. C'est beaucoup trop porcin pour progresser dans la compétition. Mais c'est super, c'est vraiment, mais c'est un talent unique. Ça va, oui, mais ça reste non. Ça fera de non. Moi, je suis désolé, mais... Désolé, monsieur. Ce sera non, alors. Y a pas de place pour vous, ici. Ah ouais, c'est sérieux, ça? Non mais de toute façon moi je m'en bats les couilles, cochon libre.